Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo que je suis trop contente de filmer puisqu'il s'agit d'un swap. Donc c'est mon deuxième swap. Ceux qui me suivent sur Snapchat ont eu un petit aperçu du colis. Il y en a certains qui ont deviné que j'allais faire un swap mais ils n'ont pas réussi à deviner avec qui est-ce que j'allais le faire. Donc je vous invite vivement à venir nous rejoindre sur Snap parce qu'en fait je poste plein de petites photos, plein de petites infos, enfin plein de petits trucs. Donc voilà, donc si vous avez Snap franchement n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Donc le carton du swap est ici, donc c'est un gros colis. Donc je l'ai fait avec Audrey de la chaîne Akina et Audrey. Donc déjà merci d'avance Audrey parce que c'est super cool comme concept, j'adore ça. Et donc je suis trop contente de le faire avec toi. Trop chou, elle se pose sur moi. Pour ceux qui savent pas ce que c'est un swap, swap ça veut dire échanger en anglais. Donc en fait c'est un échange de colis, un échange de cadeaux. Donc soit on se délimite un budget, soit on se délimite un nombre de cadeaux à respecter. Et voilà, on fait ça entre personnes qui s'entendent bien quand même parce que c'est plus sympa, hein. Donc voilà. Donc nous on s'était fixé un budget d'à peu près 80 €. Je pense qu'on a un peu toutes les deux dépassé. Donc voilà. Et Liscounette, tu fais trop de bruit. Donc écoutez, on va commencer l'ouverture tout de suite. Hop. On va s'aider de la paire de ciseaux, ce sera plus simple. Alors Liska, est-ce que ça t'intéresse ce qu'il y a là-dedans? Et on a des petits paquets qui sont trop mignons. Alors on a deux petites sortes de papier cadeau. On a du papier cadeau plutôt rose qui est très joli avec des petites rayures. Et on a des petites pastèques vertes qui sont trop choues aussi. Donc voilà, j'ai hâte d'ouvrir tout ça. Alors... une petite lettre, je suppose que c'est ce qu'il faut que je regarde en premier. Liscaouf. Liscaouf. Ça m'étonne pas qu'elle ait marqué ça. Alors ça c'est le menu, donc ça on regardera après. On va d'abord regarder la petite lettre. Alors, hello Amandine et Liska. Merci pour cette idée de vidéo, les swaps c'est vraiment le temps. J'espère que les produits vont plaire à toi et à Liska, car tu atteins là. Car tu as un petit cadeau aussi pour toi à l'intérieur du colis. Comme tu as pu le voir, je me suis quand même bien débrouillée pour les emballages cadeaux, haha, avec bien sûr l'aide d'Akina. Parce que oui, on s'était parlé en off sur les emballages de papier cadeau et elle disait que ça allait être un petit peu compliqué pour elle, donc voilà. Donc franchement, je trouve que c'est pas mal débrouillé, hein, c'est plutôt bien, bravo Audrey. Je me suis bien éclatée à choisir les cadeaux pour Liska. À quand le prochain swap? À bientôt Akina et Audrey. Et ben écoute... juste après cette vidéo, le prochain swap. Non, enfin, sans rire, on pourra s'en refaire parce que franchement, moi aussi j'adore ça. Donc voilà, j'espère que les cadeaux que je t'offrirai et que j'offrirai à Akina vont te plaire et vont lui plaire aussi. Mais voilà, donc là j'ai hâte d'ouvrir les tiens. Alors, Liscaouf, petit 1, parce que je le vaux bien. Alors, est-ce que c'est un petit produit de soin ou quelque chose comme ça? On va chercher ça, là j'ai le 2. Le 3, le 4, le 6. J'ai tout sauf le 1 en fait. 7. Ah, c'est peut-être le gros en bas. Ah non, c'est 8. 1. Donc ouais, à la base, j'aurais dit des trucs de soins, mais en fait, je sais pas du tout. Alors, qu'est-ce que c'est, Liska? T'as une idée? Oh, c'est dur, hein. Tu veux m'aider un petit peu? Donc là j'ai quoi? J'ai des petits échantillons de shampoing de chez Dermosens. Donc Dermosens qui est une très bonne marque. Donc merci beaucoup. 3, oui ça devrait faire l'affaire pour la taille de Liscounette. Et donc Dermosens c'est une marque qui va s'occuper du pelage, des problèmes de peau, des choses comme ça. Si vous avez un chien qui perd beaucoup de poils et tout ça, je sais qu'il y a des cures Dermosens qui sont pas mal. Donc voilà, donc Dermosens c'est une bonne marque. Et donc le petit produit, on va l'ouvrir. Et alors, qu'est-ce que c'est? Soins cutanés multifonction pour chien, donc de 20 à 40 kg, donc ça c'est parfait. Et donc, à quoi il sert celui-là? Bon bah voilà, c'est exactement ce dont je vous parlais, donc c'est trop cool. C'est donc là il y a 4 petites pipettes, donc je suppose que c'est à donner comme une sorte de cure toutes les 2 semaines ou je sais pas quoi, faudrait que je lise, mais... j'ai un peu la flemme de tout lire, j'ai envie d'ouvrir les autres cadeaux là en fait. Appliquer sur la peau une pipette par semaine pendant 2 mois consécutifs en tant que soin initial, puis une toutes les 2 semaines. Donc voilà, donc c'est une cure à faire sur longtemps. Et du coup, ça rétablit l'hydratation de la peau, ça freine la chute de poils, enfin tout ce qui est bon pour le pelage et la peau de votre chien. Donc ça, c'est cool. Merci beaucoup Audrey. Petit 2. Coucou. Qu'est-ce que c'est que ça?
Coucou, plumage doux, des yeux énormes, l'iscavala dorée. Bon, bah alors là, c'est une peluche, du coup. Petit 2. Ça a la tête d'une peluche. Enfin, ça a le toucher d'une peluche. Très certainement un petit oiseau, hein. Alors, ça te donne envie, ça? Oh, regarde. Oui, non, mais attends. Liska, pousse-toi. Alors, du coup, c'est pas... Si, c'est une petite chouette. J'arrivais pas à trouver le sens. C'est une petite chouette, elle est trop mignonne. On dirait un petit peu, Harry Potter en chouette. Regardez. Elle est trop chou. Regarde, Liskounette. C'est pour toi. Attends, je vais te couper l'étiquette d'abord. Ah si, et il y a un petit pouette-pouette. Mais je sais pas si vous entendez le pouette-pouette, mais il est trop mignon. Genre... Alors, attends. Si, on... enfin, il est trop chou. Il est tout petit. Oui, 2 minutes, toi. Allez, recule. Tiens, ta petite chouette. Bon bah voilà, adoptée par Liska. Elle est trop chou, merci beaucoup. Petit 3, du coup. Ravivez les papilles gustatives de Liska. Attention, bouge-toi le nez. Ok. Bon, bah alors ça, c'est forcément des friandises. Je pense que, voilà, elle a arrêté de jouer. Elle a dû commencer à sentir l'odeur. Ah oui, effectivement. Donc c'est quoi? Bon, ça a l'air d'être du poisson séché, ça doit être du saumon très semblablement, je pense. Donc je vais pas l'ouvrir tout de suite parce que j'ai envie d'être dans une atmosphère qui sent bon pour la fin de ce swap. Donc voilà, je l'ouvrirai plus tard, je pense que Liska va adorer, donc encore une fois, merci. 4. Liska va adorer lui faire la fête. Eh, franchement, t'étais pas obligée de mettre des mots comme ça parce que à dire en vidéo, je vais passer pour une débile. Donc, Liska va adorer lui faire la fête. Ben... Donc, petit 4, ben, je suppose que c'est un mouton. Un mouton jouet, je suppose. Alors, c'est où ça? 6, 4. Ah, un mouton doudou peut-être même. Ah ouais, celui-là, il te plaît, hein. Tu voudrais faire du basket, toi? Ah, je le connais, ce jouet. Donc, c'est un petit mouton. En fait, il y a 2 poètes-poètes. Non, il y a 4 poètes-poètes. Il y en a un dans chaque patte. Les pattes sont un peu plus longues, un peu plus... Enfin, bien pour mordre, en fait, pour le chien. J'ai toujours voulu lui en prendre un. Je l'ai jamais pris, je sais pas pourquoi. Donc, c'est trop cool. Et alors, j'espère que vous m'avez entendu, parce que vu que Liska, elle aussi, a envie de se faire entendre sur YouTube, eh bien, je ne sais pas ce que ça donnera. Ah oui, et puis du coup, en fait, il y a des pouettes-pouettes. Non, pouettes-pouettes. Ah voilà, ouais, il n'y a pas tous des pouettes-pouettes. Il y en a, c'est des petits grelots comme ça. Donc Liska, elle va kiffer, elle va carrément adorer, c'est trop cool. Tiens, un petit mouton, tiens. Alors, cadeau suivant, 5. Pâques, c'est passé, mais j'ai adoré l'idée, j'en ai aussi acheté un pour Akina du coup. Et bien écoute, ça me rappelle le swap que j'ai fait avec Maj, où j'avais pris un truc pour elle et qu'en fait, j'en avais pris un pour Liska aussi au passage. Alors, petit 5, donc c'est un petit jouet. Si ça se trouve, c'est même le même cadeau que j'avais pris parce que c'était un petit œuf avec un poussin qui ressortait. Et ouais, je crois que c'est exactement la même chose, comme quoi on est pas mal connectés. Hein. Donc voilà, donc c'est exactement ce que je lui avais pris, c'est vraiment trop mignon, Liska elle a adoré le jouet, donc en avoir un deuxième, en plus les couleurs elles sont trop belles, moi j'adore. Donc voilà, donc c'est un petit poussin qui sort comme ça de son œuf quand on appuie dessus, donc c'est juste trop chou. Et là, alors moi je crois pas que c'était cette marque là que je lui avais pris, là c'est Carly si ça vous intéresse. Donc voilà, trop cool, merci beaucoup. Bon et encore une fois vous voyez que là le petit mouton s'est adopté, elle kiffe quoi. Alors, petit 6, c'est les préférés de Liska. Avec Akina, on ne pouvait pas oublier. Des petites friandises. Ouais, je vois que ça. Bon, mais pousse-toi. Ou peut-être pas, hein. Je sais pas. C'est super lourd en tout cas. Enfin, proportionnellement à la taille, c'est hyper lourd. Qu'est-ce que c'est que ça?
Ah, j'ai un poil dans la bouche. Ah, mais il est collé. Voilà, ça va mieux. Alors, du coup, c'est un petit collier de chez Frimousse Dog. C'est trop mignon, ça lui ira trop bien. Elle va être trop belle avec ça, c'est trop cool. Merci beaucoup. Je suis juste trop fan, c'est juste trop trop beau. Donc on va lui essayer tout de suite. J'ouvre juste la petite, le petit truc qu'il y a avec et je lui essaye tout de suite après. Trop mignon. Et alors ça en fait c'est une des choses que Frimousse Dog fait, c'est qu'en fait ils font des petits bracelets pour le mettre en fait, pour être accordé avec son chien. Donc je trouve ça juste trop trop cool, c'est trop génial. Merci beaucoup Audrey. Et donc on va lui mettre son petit collier. Et voilà. Bon, vous verrez rien là comme ça. Je vous ferai une petite photo aussi où vous la verrez avec son petit collier. Mais en tout cas, elle est trop belle. Bon, ça c'est trop cool, je suis trop contente. Alors en fait, je trouvais que ça avait rien à voir avec la définition qu'il y avait. Et c'est parce que je me suis plantée. En fait, c'était le 9 et pas le 6. Mais je crois qu'à ma décharge, ils ont exactement la même tête. Voilà. Là, 9 et 6. Alors attendez, je vais vous rapprocher ça hein, quand même, ou je vous fais une petite photo, je sais pas. Mais regardez. Donc franchement, Audrey, tu n'as pas géré. Hein. Mais du coup, le 9, c'était comment se promener avec classe, un pour Liska et un pour toi, vous serez donc inséparables. Donc voilà, ça a un peu plus rapport avec ce qu'il y a dedans en fait, et du coup c'est trop cool. Donc on va refaire le 6. C'est les préférés de Liska avec Akina, on ne pouvait pas oublier. Donc là, je pense que... Bah j'ai envie de dire des friandises, mais... Mais c'est pareil, la forme, ça fait pas trop trop friandise. Bah on va voir ce que c'est. Hein. Alors, qu'est-ce que c'est à ton avis? Ce sont des blancs de poulet en lamelles. Donc oui, Liska elle adore ça. Moi je lui donne principalement du poulet en plus. Donc ça va être trop cool. Ça je vais pouvoir t'en donner une tout de suite ma petite, parce que ça va sentir moins fort que le poisson. Donc ça on peut. Ça sent fort quand même hein. Mais ça va. Tiens petite puce. Alors c'est bon. Bon bah voilà c'est bon. Elle adopte. Elle adopte et elle aime beaucoup et elle sera très contente de pouvoir manger tout le paquet. Là vous verriez ses yeux, je sais pas si à la caméra ça se verra aussi bien, mais vous auriez vu le regard qu'elle avait sur le paquet en mode encore, encore, encore. Tout est l'air maintenant, c'est tout, c'est tout. Ensuite, petit 7, Akina a la même et adore s'éclater avec car elle rebondit. Au passage, elle pouette aussi pour ton plus grand plaisir. Haha. Merci beaucoup de penser à mes oreilles, c'est tellement aimable de ta part. Du coup, petit 7, bon bah je pense que c'est une balle, hein. On va pas se mentir, en plus ça a bien la forme. Donc on va regarder ça tout de suite. Hop. C'est une curieuse quand même, dès que j'ouvre un cadeau, elle est là. Hein. Donc voilà, donc c'est une petite balle, parfait pour quand je la sors. C'est le soir que je lui fais sa balade où elle se défoule le plus et donc à chaque fois on lui lance des petites balles et tout ça. Donc écoute, dès ce soir, j'irai la tester et je pense que ce sera top. Ah oui, elle fait quand même très très mal aux oreilles. Donc voilà, mais bon, après tout... Si Liskounette elle est contente avec ça, je suis contente avec ça aussi. Donc c'est cool, je teste ce soir, merci Audrey. Et alors, dernier cadeau, étant donné que j'ai ouvert le 9e en 6e, hein, la beauté 100% naturelle, je pense que tu vas exploser de joie. Eh bien écoute, le petit 8, c'est le plus gros. Oh, voilà. Alors, tu m'aides pas beaucoup là, Liska, hein. Tu me gênes plus qu'autre chose. Hein. Oh oh! C'est un colis Biogans avec une tonne de produits dedans. C'est vraiment trop cool. Alors, on va regarder tout ça en détail. Et donc, là-dedans, qu'est-ce qu'on a? On a un petit shampoing peau sensible, nutri et hyper, donc pour réparer tous les poils. Donc, celui-là, il est à l'avocat et à la bardane. Alors, j'ai aucune idée de ce que c'est que la bardane. Mais ça sent super bon. Trop cool. Alors là c'est un deuxième shampoing activateur de mue. Donc ça c'est cool parce que
Liska a tendance à faire sa mue sur 6 mois, hein, au lieu de faire ça une bonne fois pour toutes. Donc un petit shampoing comme ça, ça active la mue, tous les poils qui doivent tomber tombent, mais beaucoup plus vite que si on lui laissait, enfin que si on les laissait tomber naturellement. Donc ça c'est super cool. Et alors lui il est au cresson, capucine et petit ou. Donc celui-ci il sent bon aussi. Ensuite, alors nous avons un petit spray. Alors ça je l'ai déjà mais on n'en a jamais assez. Donc c'est un petit soin pour les coussinets. Donc c'est cool quand, quand ils ont les coussinets un petit peu trop secs, un petit peu abîmés, voilà. Vous pouvez mettre ce genre de spray. Là ils mettent ça renforce, hydrate et aide à cicatriser. Donc voilà, ça sent trop bon dans mes souvenirs. On va faire ça sur quoi? On va faire ça là-dessus. Ouais, ça sent bien, ils mettent aux fruits, ils mettent quoi? Acide de fruits, bah c'est bien ce que ça sent. Ça me rappelle un cocktail, mais alors lequel? Après, on a un autre spray, alors là, ah voilà, donc là ça va avec le shampoing, c'est un spray activateur de mue, donc je vais pas vous réexpliquer, c'est exactement la même chose que le shampoing, sauf que là c'est en forme de spray, donc je suppose que si on combine les deux, bah alors là on a une super mue pendant quelques temps, mais qu'au moins c'est vite réglé quoi, donc c'est top. Et le dernier petit truc, c'est une eau de parfum aux fruits rouges. Oh là là, ça a l'air de sentir trop trop bon. Bon, si ça va sur les chiens, ça va sur moi, hein, on va pas se mentir. Trop cool. Je vais lui en mettre tout de suite. Attends, Liskounette, c'est pour te parfumer. T'as regardé. Bon bah écoute, merci beaucoup, effectivement je suis fan de ce petit carton de produits Biogans, hein. Tu sais très bien que j'aime cette marque, donc voilà, donc c'est cool, merci beaucoup. Donc voilà, c'est fini pour ce swap. Donc franchement Audrey, merci beaucoup. Akina, si tu as conseillé ta maman, et ben écoute, merci beaucoup à toi aussi, et c'était vraiment trop top, et c'est trop trop cool, et voilà, et merci, voilà, c'est tout, c'est tout ce que j'ai à dire. Oh, oui. Donc si vous voulez aller voir ce que moi je lui ai offert, et ben vous aurez le lien en barre d'infos. J'ai oublié de le dire en début de vidéo, mais je mettrai certainement un petit mot pour vous le rappeler. Donc voilà, et donc sa chaîne bien entendu aussi qui se trouve en barre d'infos. Voilà, j'ai rien d'autre à rajouter. Franchement Audrey, c'était trop cool, et on en refait un quand tu veux. Voilà, c'est tout. Donc sur ce, eh bien écoutez, moi je vais aller tester toutes ces petites choses. Je vais aller m'amuser de mon côté, je vais aller m'occuper de Liska, machin, tout ça. Et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye !